Salut, salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve sur cette vidéo pour aborder nos pronostics quotidiens. Pour ce faire, nous allons pronostiquer pour ce jour 10 matchs. C'est-à-dire, ce sera 10 matchs sur lesquels je vais vous donner des options. Alors, à travers ces 10 événements, si nous faisons un combiné, nous trouverons une cote globale qui tourne autour de 22. Alors donc, sans plus tarder, on va débuter avec les événements que j'ai sélectionnés sur la Première Ligue. Comme vous le savez, il y a des matchs avancés qui se jouent actuellement au niveau de ce championnat. Alors notre première option ou notre premier événement va porter sur le match qui va opposer Manchester City face à l'équipe d'Arsenal. Manchester City face à Arsenal, eux à ce niveau. L'option que j'ai sélectionnée est l'option les deux équipes vont marquer. Les deux équipes vont marquer dans ce match, car plusieurs fois on a cette option dans ce match où cette option se réalise lorsque ces deux équipes se croisent. Alors, vu l'enjeu de cette rencontre, qui est que où on suppose que on peut croire que l'équipe qui remportera ce match peut espérer toujours remporter le championnat. Alors, c'est l'enjeu de ce match à venir, d'où mon option ici, les deux équipes vont marquer. Alors, toujours au niveau de ce championnat, nous allons pronostiquer sur le match également qui va opposer l'équipe du West Ham face à l'équipe de Liverpool. Et à ce niveau, l'option est une option totale de but de plus de 1,5. Tout court ici. Total de buts, plus de 1,5. L'équipe de West Ham actuellement est à retrouver sa forme d'antan. Car cette équipe, il y a de cela quelques matchs, elle montre un tout autre visage qu'au début du championnat. Alors que l'équipe de Liverpool, avec ses largesses défensives, je pense que dans ce match minimum, on peut avoir les deux équipes vont marquer, ce qui validera notre option également ici. Alors pour terminer au niveau de ce championnat, nous allons pronostiquer également sur la rencontre qui va opposer Chelsea face à Brentford. Et là-bas, l'option est une option totale de faute. Cette rencontre qui part en défaveur de l'équipe de Chelsea, soit plus de 8,5 fautes pour cette équipe dans la rencontre. L'équipe de Chelsea uniquement, c'est un total individuel de fautes. Alors donc, voilà en gros les trois événements que nous allons pronostiquer au niveau de ce championnat anglais. Alors après donc ce championnat, on va se rendre sur un autre championnat, à savoir le championnat espagnol où il y a des matchs également à ce niveau. Alors, comme premier match à pronostiquer, nous allons être sur la rencontre entre l'équipe de Getafe et l'équipe de l'Almeria. Eux, à ce niveau, on aura affaire à un pronostic total de buts individuels pour l'équipe de du Getafe, soit un total de plus de 0,5 buts pour cette équipe. Pour notre second événement ou notre deuxième pronostic dans ce championnat, on aura la rencontre qui va opposer l'équipe du Rayo Vallecano face à l'équipe du FC Barcelone. Alors ici, les cotes, Alors ici sur ce match, l'équipe favorite est l'équipe du FC Barcelone, mais tous ceux qui suivent ce championnat savent à quel point l'équipe du Rayo Vallecano cause beaucoup de problèmes à cette équipe du FC Barcelone. Même si l'équipe du FC a la meilleure défense actuellement, je pense que ici dans ce match, l'équipe du Rayo Vallecano, c'est soit une victoire ou un match nul vu que l'équipe joue à domicile. Comme je l'ai dit, depuis la montée de cette équipe en Liga Santander, l'équipe du FC Barcelone est l'une des équipes qui n'a pas encore réussi
a tenu tête à cette équipe du Rayo Vallecano et elle ne fait que confirmer cela presque à chacune de leurs confrontations. D'où mon option victoire ou nul pour cette équipe dans la rencontre. Voilà donc également les deux pronostics pour ce qui concerne le championnat espagnol. Alors donc, après donc ce championnat espagnol, on va faire un tour du côté du championnat autrichien où à ce niveau, nous allons pronostiquer sur deux événements. À savoir, le premier événement va porter sur la rencontre entre l'équipe du Sturm Graz et l'équipe de l'Austria Wien. Et comme vous le voyez là, tout court, j'ai pris une option victoire ou match nul pour l'équipe du Sturm Graz. Et pour ce qui est du deuxième match, c'est le match qui va opposer l'équipe du Rapid Vienne face à l'équipe du Red Bull Salzbourg. Et là-bas, l'option est une option totale de but. Total de but de plus de 2 dans cette rencontre. Et également, voici donc les deux matchs pour ce qui concerne le championnat de l'Autriche. Après donc cela, on va se rendre sur un autre championnat, à savoir le championnat suisse. Alors, sur ce championnat, nous aurons affaire à un seul pronostic et ce pronostic va venir de la rencontre qui va opposer l'équipe du Saint-Gall face à l'équipe de Lugano. Et là-bas, l'option est l'option victoire ou match nul pour l'équipe du Saint-Gall. Alors, pour terminer maintenant, on va se rendre du côté du championnat chinois ou à ce niveau. J'ai pronostiqué sur un match, à savoir la rencontre entre le Dalian Pro et l'équipe du Chengdu Longchang. Et à ce niveau, l'option est une option totale de but de plus de 1,5 dans la rencontre, soit 2 buts, plus total, au total, plus de 2 buts dans cette rencontre, soit 3 buts dans cette rencontre, et cette option sera validée. Alors donc, voici donc en gros pour ce qu'on pouvait dire de nos 9 événements. 9 événements, contrairement à ce que j'avais dit auparavant, car j'ai constaté qu'il y avait 2 options sur un même match. Donc, j'ai supprimé une option sur ce match, ce qui nous a donné les 9 événements maintenant. Alors, nous allons nous rendre sur le combiné. Voici donc ce combiné et voici la cote que nous obtenons avec les 9 événements. Alors, comme j'ai l'habitude de vous le dire, de ces événements, vous pouvez faire des paris simples en fonction des événements qui vous paraîtront être les plus abordables. Alors, le pour ce qui est du cours de ce combiné, nous avons le PVUAL. Le P, V, U, A, L. Je répète encore. Nous avons le P, V, U, A, L. P, V, U, A, L. Alors donc, voilà en gros pour ce qu'on pouvait dire de cette astuce. Donc, on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. D'ici là, portez-vous bien.